bien bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré. Vous êtes donc sur votre chaîne préférée, vous regardez votre émission préférée, voici mes invités, ma préférée. Applaudissements s'il vous plaît pour mes invités. Vous allez bien? Très bien. Très bien. Je vais donc vous présenter. Hein, on va démarrer par toi. Chloé, c'est ça? Oui. Chloé Lang. Tout à fait. Applaudissements pour Chloé Lang, qui sort un album qui s'appelle Aimez-moi, avec un spectacle qui s'appelle Aimez-moi. Exactement. Et on en parle tout à l'heure. Avec plaisir. Re-applaudissements. Paulino, tu t'appelles? Oui, je m'appelle Paulino Semedo. Paulino Semedo. On applaudit Paulino Semedo. Tu chantes, tu es chanteur. Exactement. Très bien. Oui. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et Laura, j'ai bien dit Laura. Exactement, comment on dit? Laura. Laura. On a en espagnol. Laura, voilà. Laura et Georges. Ça, c'est Georges, c'est bien français. Ouais. Laura et Georges, applaudissements pour tous les deux. Merci. Donc, vous êtes vous metteur en scène, comédien, enfin plein de choses. Et en ce moment, le théâtre Héberto, c'est demain, c'est ça? Oui, oui. Estudio voilà. Héberto. Ouais. Pardon? Oui. Estudio Héberto. Et ça s'appelle Mademoiselle Gazole. Exactement. Donc, voici l'affiche. Applaudissements pour tous les deux. Et vous faites Avignon aussi. On fait Avignon aussi. Oui. On parlera tout ça très bientôt dans l'émission. Et après la pub, je recevrai la sublissime, la divine Nathalie Boileau, que je vous demande d'applaudir. Voici l'affiche de son spectacle. Nathalie Boileau donne tout, sauf la recette, voilà, qui sera le 18 juin, comme vous le voyez, rue Pradier, dans le 19e. Voilà. On applaudit encore Nathalie Boileau, qui donnera après la pub. Le GLPP est donc une émission totalement inculte, qui est enfin devenue totalement culte. Merci, public adoré. Donc, on va jouer un peu. Hein. Vous allez me raconter des anecdotes, je vais faire un blind test, tout ça. Vous êtes prêts? Ouais, voilà. Très bien. Alors, avant chaque séquence, il faut imiter l'essuie-glace. Ça vous est arrivé d'imiter l'essuie-glace? Jamais, bah, vous allez le faire pour l'émission. Okay. Alors, j'ai un jingle essuie-glace, et pendant le jingle, bah, vous imitez l'essuie-glace à votre manière. Okay. Vous êtes prêts? Okay. Prêt? Ouais. Un, deux, trois. Qu'est-ce que tu fais, toi? Attends, je ne crois pas, ça va. C'est un mono, c'est un monoglace. C'est un qui marche pas très bien. Attends, ça fait... C'est tout le corps. Ça fait 14 ans que je fais l'émission, c'est la première fois que je fais l'essuie-glace. Je me suis pris pour un essuie-glace humain entier. Voilà. Les voitures, ils ont le temps. C'est bien, Chloé. Bon, on va démarrer par toi. Une anecdote. Une anecdote, Chloé. Alors, une anecdote. Eh ben oui. Merci beaucoup, Chloé. Bon, allez, non, j'ai une anecdote. J'ai joué à Villeneuve-en-Seine en 2014. À Villeneuve, pardon? À Villeneuve-en-Seine, oui. Qui est près du Festival d'Avignon. Et donc, c'est trois semaines de festival. Oui. Et la dernière semaine, je me lève un matin de ma petite caravane. Tu dors dans une caravane, toi? Je dors dans une caravane, ouais. Parce que Villeneuve-en-Seine, c'est sous chapiteau. Ah, et d'accord, on dort tous dans des caravanes. C'est bien, oui. Donc, tu te lèves dans ta caravane. Joyeuse et tout. Plus de voix, mais aphone totalement. Donc panique toute la journée, le tour des pharmacies, enfin l'angoisse quoi, comme vous allez connaître. Ensuite, une heure avant le spectacle, je m'échauffe tout doux. Je me dis, je dois chanter dans ce spectacle et j'ai un moment, il y avait ma partenaire, et j'avais un moment où je dois chanter des notes assez aiguës. Je me dis, mais ça va jamais passer et tout. Et puis bon, il y a l'adrénaline, j'y vais, je m'échauffe là-bas, j'y vais. Ce moment où je chante, ça sort. Comme par magie. Oui. Et ça crée un espèce de moment. Dès que t'es sur scène, voilà, t'oublies tout. Hallucinant. Ouais. Et tout d'un coup, les aigus et tout. Donc elle me regarde. Je crois que c'est un moment suspendu de 3 secondes où personne n'a compris. Et à la fin, il y a les applaudissements et tout. Et à peine les applaudissements ont lieu, il y a un noir et tout. Je veux lui dire, ah, on a réussi. Et re-aphone. C'est fou ça. Ouais. Ah oui, dès que t'as terminé ta performance, aphone. Merci beaucoup pour cette anecdote. Bah voilà. Chloé Lang. Et toi alors? Oui, j'ai une petite anecdote quand je suis petit. Quand tu étais tout petit? Oui, petit, petit. T'as déjà été petit? Voilà. Donc, c'est tous les jours, ma maman dit, là, tu vas faire ça, ça, ça. Oui. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Oui. J'ai préparé tous les qui... Les quoi? Qui remplacent la musique. Ah, d'accord. Donc, avec le travail de tous les enfants comme moi. Oui. Et moi, en fait, c'est toujours, j'écoute la musique, j'ai essayé de le faire, saxophone, microphone et tout ça. Donc là, des jours, ma maman dit non, quand je te demande de faire quelque chose, il faut que tu fasses, parce que là, il y en a une autre enfant qui fait comme toi. Oui. Bon, c'est une petite anecdote. Bon, un jour, elle m'a dit, bon, je comprends que toi,
un jour tu vas être grand musicien. Voilà, et c'est parti comme ça. Comme ça. Bah, merci pour ton anecdote. Exact. Et toi, Laura? Moi, une anecdote, une avec la marionnette avec laquelle on joue dans les spectacles. Sur scène, voilà, on a créé les spectacles pendant le Covid, parce qu'on n'avait rien à faire d'autre. Oui. C'est vrai? On s'est enfermé dans un théâtre, pour créer d'accord, les spectacles bien, et tout. Oui. Et juste entre les deux Covid aussi, où les magasins étaient déjà ouverts. Et un jour, on est allé acheter les costumes pour le spectacle et tout. Et on va voir les dames du magasin. On dit, excusez-moi, les cabines d'essayage. On dit, ah non, elles sont fermées et tout. On dit, non, mais en fait, c'est pas pour nous, c'est pour elles. Ah, ils ont été, pour elles, sais pas, pour elles, vous pouvez y aller et tout. Voilà, et on a pu essayer toutes les trucs. Ah, bah, c'est mignon, ça. À la poupée, et à la marionnette. Et du coup, on a été l'attraction du magasin. Merci, Laura, pour cette anecdote. Et toi, Georges? Puisqu'on parle de Mademoiselle, la marionnette, parce qu'il faut savoir quand même, c'est une marionnette à taille humaine, donc c'est une petite fille. Et au moment de la fabrication, donc le prototype de la marionnette, on l'a fabriqué un peu tous les deux, c'est machin de ça. Et donc c'était dans mon appartement. Et à un moment donné, on va faire une pause et on laisse la marionnette comme ça, errante sur le parquet. Comme toi, quoi. Et puis, j'habite à Paris dans un petit appart et puis il y a beaucoup de vis-à-vis. Et en face, donc il y a plein de voisins qui ont vu au sol un corps comme ça. Inanimé. Inanimé. Oui. Et ils sont venus frapper à la porte pour savoir s'il y avait un problème parce qu'ils pensaient vraiment qu'il y avait une petite fille, inanimée dans le salon. Quoi. Et voilà, alors, comment ça s'est terminé? Tout s'est très bien passé, je l'ai montré, ils ont ri et voilà. T'as pris la marionnette, t'as joué avec. Voilà, je l'aurais montré. Bah, très bien, mais alors. Je vous félicite pour les anecdotes, franchement, c'est exceptionnel. Bon, ça vous a plu? Oui. Alors, on continue? Ah oui. Essuie glace. Ça y est, j'ai compris. As-tu fait plus la tête? Oh bah non, j'ai compris. Non, mais c'est marrant, t'aurais pu le refaire. Bon, on va faire un blind test. D'accord. Okay. Voilà, je vous fais écouter des chansons, mais à l'envers, faut trouver le nom du chanteur, la chanteuse, du groupe, ou éventuellement le nom de la chanson. Okay. Je le mets à l'endroit si jamais vous ne trouvez pas. Ouais. Si vous ne trouvez pas, je vous donne la réponse. Ok, voilà. D'accord, très bien. Bon, tout le monde est prêt? Ouais. Allez. On y va, voici donc le premier titre. Voix très reconnaissable. Vous êtes reconnaissable, alors. Chanteur anglais, malheureusement décédé. David Bowie. Excellente réponse, Laura. Mais comment tu reconnais David Bowie, Laura? Parce que j'adore David Bowie. Oui. Sympa, hein? Très bien, Laura. Voilà. Vous êtes prêts pour le deuxième titre? Allez. La régie, deuxième titre. C'est pas Julien Doré. Oui, Julien Doré, bravo, en même temps. Tu es fan de Julien Doré? Allez, on va l'écouter un peu à la voix. J'aime bien. T'as vu la voix? Ouais, c'est la voix pour faire mieux. Vous êtes fort. Bon, toi, tu te trouves rien, toi. Ouais, c'est bien, on en a fait deux. Pour l'instant, c'est bien. Bah, allez. Troisième titre. Allez. Zou. Chanteuse américaine très connue. Oui. Georges. Lana Del Rey. Oui, mais je suis très fort, Georges. Lana Del Rey. C'est pas la donc, Georges, t'es un magic boss. Non, ça va, c'est facile. Oui. Bah, non, là, c'est pas évident non plus. Non. Pour connaître vraiment la voix, quoi. Et pour la chanson, d'ailleurs. Ouais. J'adore cette chanson. Oui. En plus, tu l'as compris. Dernier titre. Allez, c'est parti. Ah bah oui. Oh, il est très fort, Georges. Ah bah Georges, t'as gagné, là. Bon, toi... Toi, il y a un truc qui va pas, hein. Ah oui. Hein? Bon. Bah, c'est pas évident, en même temps, à l'envers, faut... Ouais. Ah oui, c'est ça. Bon, non, ça vous a replu? Ouais. Alors, on recontinue? Allez, c'est parti. On va faire un quiz. Ok. Donc, avant le quiz. Essuie-glace. Ah non, c'est le quiz. Tu fais les deux là, la tête et les mains, la tête et les jambes. Quoi. Il n'y a pas une caméra dessous pour qu'on. Pour pourquoi voir le essuie-glace. Oui, non, mais il y a plein de caméras ici, tu sais, c'est une émission de télé. J'ai oublié qu'il y a des caméras, si tu veux. Oui, non, mais je parlais de sous la table. D'accord, bon, vous êtes prêts? Oui. Dans quel film Dustin Hoffman a-t-il une liaison avec Mrs. Robinson? Dans quel film? Dans quel film? Dustin Hoffman a-t-il une liaison avec Mrs. Robinson? El graduado en espagnol. Oui, le lauréat. Allez, oui, bonne réponse. Voilà. Comment tu dis en espagnol? El graduado. El graduado. Graduado. Ouais, voilà. Très bien.
Alors, qui chante Aïcha en 1996? Ah, comment il s'appelle? Bah, je te demande justement. Oui, comment il s'appelle? Khaled, non? Chanson de Jean-Jacques Goldman. Oui. Khaled, non? Non. Oui, Khaled, Khaled, bravo, c'est ça, excellente réponse. De Madame Lang. Ah, j'ai affaire. À quel écrivain doit-on plateforme? Les particules élémentaires. Ah, Houellebecq. Ouais, bravo. Houellebecq. Voilà. Ouais. Qui chantait tout doucement dans les années 80? Tout doucement. Ouais, qui chantait ça? Mais ouais, on sait qui chante ça. L'étrangère, c'est vrai. Désolée. Je vous le dis, Bibi. Bibi, ça s'appelle Bibi. Bibi. Ah, okay. Bibi. Oui, Bibi. Ah, bon, j'aurais pas trouvé. Okay. Bah oui, Bibi. Ouais, ouais. Allez, une dernière. Allez, une dernière. Allez, une dernière. C'est l'homme là. Pour quel journal travaille Gaston Lagaffe? Un journal. Oui, journal. Quel journal? Une revue, un magazine. Ouais. Vous connaissez Gaston Lagaffe? Ouais, ouais. Revue hyper connue. Ça commence par un S. C'est les années 50-60. Hein. S. Spirou. Mais bien sûr. Oui, mais enfin, tu n'avais pas la réponse, tu me dis, mais bien sûr. Je l'avais sur le bout de la langue. C'est toujours pareil, les si, couilles. Ouais. Tu le sais après, tu le savais, en fait. Mais... Bon, allez, c'était pas mal. Ouais. Je te mets en blind test quand quiz, hein, quand même. Ouais. Ouais. Bah, surtout toi, t'as rien trouvé. Oui, mais la prochaine fois, j'y vais. Non, mais la prochaine fois, C'est maintenant qu'il faut trouver. Tiens, puisque tu parles, on va parler de toi. Alors, on l'applaudit? Paulino, c'est mieux quand même. Donc, tu es originaire du Cap-Vert. Exactement. Hein, tu es né au Cap-Vert, c'est ça. Et tu as dû débuter avec un groupe qui s'appelait Nacus, c'est ça? Oui, oui. Qu'est-ce que tu faisais comme genre de musique? Oui, nous, je suis né au Cap-Vert. Oui. Et c'est quoi ton groupe, Nacus? Oui, le groupe que vous parlez ça s'appelle Nyankos. Ah, Nyankos, parce que moi, je prononce mal. Oui, ouais, Nyankos, ça veut dire en français un groupe qui a... qui est les promotions. D'accord, ok. Les promotions, les améliorer les chansons pour faire connaître notre musique. Très bien. Alors, tu as grandi au Portugal. Exact. Et tu as étudié la musique à Lisbonne. Oui, exactement. Au Hot Club Jazz. Jazz. Alors, c'était un club show de jazz, c'est ça? Oui. C'est là où tu as appris la musique, toi? Exactement. Oui. Quand j'ai commencé, oui. Je suis venu au Cap-Vert, je viens au Portugal avec 17 ans. D'accord. Donc, là, j'ai étudié jazz, les musiques internationales. Oui. Tout ce qui est la musique des grands musiciens. Oui. Et après, j'ai commencé à faire la musique internationale du Cap-Vert. Très bien. Alors, c'est quoi le Funana? Funana, c'est un style de zouk. C'est un zouk plus rapide. Oui, un zouk plus rapide. Voilà, c'est zouk. C'est le Funana, vous? C'est simplement non. Comme non ça. Plus. C'est pour ça que je demande. C'est un zouk plus rapide. Oui. Vous connaissez le zouk? Oui, voilà. C'est les rigidites. D'accord. Voilà, c'est ça. Très bien. Alors, tu collabores aussi pour un projet qui s'appelle A Manera. C'est quoi ce projet? Peut-être que je prononce mal. Le projet A Manera, c'est un projet de plusieurs artistes. Oui. Donc, on va choisir les meilleures chansons. Oui. On va sélectionner des musiciens. Mais tu produis aussi, tu es producteur? Oui, je suis compositeur et chanteur. Producteur et voilà, exactement. Ok, très bien. Et tu proposes aussi un projet qui s'appelle Beat 2000. C'est quoi ça? Oui, il y a un autre projet qui est rentré. Oui, c'est quoi? Donc, c'est plus des projets, des musiques, des zouk, des colorella, des morna aussi. D'accord, ok. Quand on fait temps en temps, c'est la même chose. Les musiciens sont sélectionnés pour construire un album qu'on va donner le nom, Billy Beat et aussi Bia Manera, etc. Alors, tu as une vision futuriste de la musique, j'ai oui, vu. Oui. C'est-à-dire? Oui, ça veut dire que moi, j'ai mélangé tous les styles. Tout? Tout, parce que comme j'apprends du jazz, oui. C'était difficile quand j'apprends. Oui. Là, maintenant, je peux choisir les chansons que j'y veux. Mmh. N'importe quelle musique, n'importe quel endroit, je peux jouer avec beaucoup d'exercices différemment. Très bien. Oui. Alors, à un moment donné, on t'invite à être animateur radio. Oui, j'ai fait radio aussi au Portugal. Qu'est-ce que tu animais comme émission? De musique ou non? C'est des musiques, c'est interviews, j'ai fait des interviews des artistes aussi. Oui. Oui, il y a beaucoup de choses que j'ai fait. Tu participes aussi à des projets d'artistes capverdiens, mais basés en France. Oui, exactement. Il y a beaucoup d'artistes capverdiens en France? Oui, il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup. Et là aussi, j'ai travaillé avec plusieurs. Alors, tu les produis? Qu'est-ce que tu fais? Oui, j'ai produit la musique. Oui. Et aussi, j'ai fait participation avec beaucoup de musiciens. D'accord. Les musiciens des Aéro Congo. Oui. Qu'ils ont fait Soukous aussi. Moi, j'aimais bien faire Soukous. J'ai travaillé avec plusieurs musiciens du top.
D'accord. Enfin, alors, c'est quoi le coladera? Coladera, c'est un style de césaria. Ah, pardon, hein. Donc, c'est un zouk, oui, mais traditionnel. Mais capverdien? Capverdien. Un zouk traditionnel capverdien. Traditionnel, qui n'a pas de gros beat. Oui. C'est une chanson calme. Chanson très calme. Tu vas faire une chanson calme ou les chansons un peu... Oui, j'ai fait tout. J'ai fait des zouk. Oui. Des zouk, j'ai fait du coladera, qui est style césaria. Oui. Et j'ai fait aussi des morna. Des morna, c'est... Je ne connais pas tout ça, vous connaissez, vous? Oui, c'est... Je suis largué en musique capverdienne. Oui, oui, oui. Césaria, c'est fait beaucoup de choses en France. Et... pour chanter la morna. Ah, d'accord. Morna, c'est long. C'est long, c'est calme. Très, très long, d'accord. C'est traditionnel, guitare acoustique. Oui. Et après, piano acoustique, c'est tout. D'accord. Donc, c'est ça qui s'appelle morna. Et tu fais de la scène en France? Oui, oui, fais, oui. Ouais, tu passes en ce moment quelque part ou... Oui, quand tu es rentré, depuis 15 ans. Oui, mais là, en ce moment, tu passes sur... quelque chose. Maintenant, j'ai occupé justement de mon album. Oui. Et c'est ça que je fais. Très bien. Alors, et le criollo, c'est quoi? Il y a plein de mots comme ça que j'ai trouvé, je ne sais pas ce que c'est. Oui, criollo, c'est comme, par exemple, entre France. Oui. Paris, par exemple, les Guadeloupe et Antillais. Oui. Donc, nous, on parle portugais. 80% du portugais. Il y en a des mots qui sont créoles. Ah, c'est du créole capverdien, oui, c'est ça? Oui, créole capverdien, ça veut dire que c'est portugais, oui, mais ce n'est pas portugais 100%. Oui. D'accord. Donc, on parle de 80%. Il y en a des mots qui viennent espagnol. Oui. Vient espagnol, vient. D'accord. C'est mélangé, en fait. Et tu as chanté en criollo? Tu as chanté? Oui, 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 oui. OK. Et là, ce qu'on va regarder, alors, comment elle s'appelle, la chanson? La chanson-là s'appelle Fogo Brava. Et en français, on peut la traduire ou... Oui, Fogo Brava, c'est des îles de Cap Vert. Parce que nous avons des 10 îles au Cap Vert. Des quoi? Des 10 îles. Ah, 10 îles. Et voilà. Donc là, ça veut dire qu'il y en a du Fogo, il y en a du Brava, Praia, c'est capitale, Santiago, São Vicente et Santa Luzia. Et quand il va me citer les 10 îles, ils sont beaucoup. Il est vachement doué en géographie, lui. Voilà. Oui. L'histoire, ça veut dire que cette fois-là, j'ai chanté Fogo Brava. Très bien. Ça parle de ça. Donc on va regarder. Oui, bien sûr. C'est parti. C'est parti. Boca
Bravo Paolino. Ça, c'est bien. Ça, très bien. Merci. Ben, je t'en prie. Ouais. Laura et Georges, ouais. Applaudissements. Ouais. Merci. Donc, vous êtes là, pas par hasard. Mm-hmm. Hein, c'est pour parler d'une pièce, on va dire. Exactement. Hein. Ouais. C'est une pièce. C'est une pièce de théâtre. Voilà, qui s'appelle Mademoiselle Gazole. Exactement. Voilà, vous serez en Avignon, c'est ça, oui. À partir du 16 juillet. Du 7. Oui, ouais. Jusqu'au 23 à peu près. Jusqu'au juillet. 30. Jusqu'au 30, c'est bien, ouais. Faites la prolongation. Ouais. Et à partir de demain, au studio Héberto, à absolument. Ne pas confondre avec le théâtre Héberto, genre. Absolument. Absolument, Jackie. Il y a toujours deux théâtres différents. Oui. Oui. Ouais. Mais qui sont situés au même endroit ou pas du oui, tout. Oui, ils sont juste à côté, en fait. Ah oui, d'accord. Oui. OK. Voilà. Alors, ouais. C'est quand le studio Héberto? C'est demain, il y a un festival qui s'appelle le Phoenix Festival. Oui. Et on est dans le cadre du Phoenix Festival et on joue demain à 19h, samedi et dimanche à 15h. Très bien. Bon, alors, Laura, toi, tu es donc comédienne, mm-hmm. metteuse en scène. Oui. Et marionnettiste. Marionnettiste, oui. Très voilà, bien. Oui. Et toi, Georges, tu es aussi metteur en scène, comédien, mais tu n'es pas marionnettiste, hein. Tu es scénographe. Absolument. Oui. OK, alors, Mademoiselle, c'est un agent spécial, c'est ça, Mademoiselle? C'est exactement. Parce que Mademoiselle et Gazole, ce n'est pas les mêmes personnages, hein, c'est ça? Ce n'est pas les mêmes personnages. Alors, Mademoiselle, c'est un agent spécial de société, c'est ce que j'ai mm-hmm. vu, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle fait dans cette pièce, alors, Mademoiselle? Elle fait, en fait, on explique un peu tout. Oui. C'est un monde où les adultes n'ont plus d'enfants. D'accord. La famille n'existe plus. Très bien. Du coup, parce qu'ils n'ont plus le temps, plus l'envie, oui. Il y a une agence de location d'enfants. Une agence de location d'enfants. Exactement. Alors, excuse-moi de te couper, la pièce n'est pas de vous. Hein. On peut citer l'auteur quand même. Oui, c'est ça, Nicolas Turon. Voilà, c'est Nicolas Turon. Très bien. Exactement. Voilà. OK. Donc, et Gazole, c'est donc son majordome. Exactement. C'est et toi, Mademoiselle. Gazole, alors. Ouais. Exactement. Tu es le majordome et toi, tu es Mademoiselle. Exactement. C'est une marionnette, Mademoiselle? C'est une marionnette de taille humaine. De taille humaine, celle qui s'est évanouie. Celle qui s'est évanouie et celle qu'on a amenée dans un magasin pour les vierges costumes. Les courses, ouais. Très bien. Alors. Alors, à eux deux, c'est-à-dire Mademoiselle et Gazole, vont partir à la découverte d'une enfance qui s'appartient encore, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'à un moment donné, Mademoiselle commence à se faire des questions de là où elle vient. Oui. Est-ce que si elle a des parents ou pas, qu'est-ce que d'accord. c'est? Et en faisant ces questions à Gazole, Gazole s'interroge aussi de son passé et tous les deux vont commencer à... Alors, est-ce que vous, au départ de la pièce, vous vous connaissez? Oui, absolument. La pièce commence, lors d'une mission. D'accord. Voilà. Alors c'est un conte d'anticipation, c'est ça, mm-hmm. c'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est dans un futur plus ou moins lointain qui n'existe peut-être pas. Oui. Parce que ça peut être aujourd'hui, mais c'est dans un monde où les adultes n'ont plus d'enfants. Donc ce n'est pas la réalité. Ah, d'accord. Est-ce que c'est un conte d'anticipation? Oui. Est-ce que c'est tout public? Tout public. C'est pour jeune public pour... Non, c'est tout public. Oui, oui. Oui. Parce que comme ça parle d'enfance, oui. En fait, les enfants, ils se voient dans la petite fille, mais les adultes, d'accord. En fait, ils se voient dans leur enfance à eux. D'accord. C'est les retours qu'on a. Ouais. Très bien. Et c'est un aspect qui est très visuel, ce qui permet vraiment que les plus petits aussi peuvent s'attacher aux images, à la marionnette, ouais. etc. Et le texte de Nicolas Turon, qui est sublime, pour les adultes. Alors, qui a eu l'idée de cette marionnette? C'est l'auteur, je suppose? Non, pour la marionnette, non. En fait, le texte, c'est une commande qu'on lui a fait à Nicolas. Oui. On lui a fait cette commande. Oui. Et il nous a fourni le texte. Oui. On a adoré, évidemment. Et c'est en travaillant le texte, tous les deux, en faisant des recherches, oui. qu'on s'est rendu compte qu'en fait, la marionnette, c'était la meilleure façon, en fait, pour rendre ces textes le plus beau et le plus accessible à tout le monde, que tout le monde, même les adultes, ils peuvent se... se voir dans cette histoire. Donc c'est toi qui, comme tu es marionnettiste, c'est toi qui... Exactement. Mais on te voit sur scène. On me voit, c'est assumé, c'est mais je suis drôle. Dans le noir. C'est ça qui est drôle. Si, on te voit. J'ai vu l'extrait. Oui, bien sûr. C'est voulu, je suppose. Et pourquoi tu voulais pourquoi on la voit? D'habitude, les marionnettes sont des marionnettes. Alors non, pas forcément. Il y a vraiment plein de styles de marionnettes. Oui. Celle-ci c'est ce qui est assez intéressant, c'est que... le spectateur a aussi besoin de voir les expressions de la comédienne pour... ça met 2-3 minutes à s'adapter et à un moment donné, le spectateur regarde à la fois la marionnette et à la fois Laura. D'accord. Et du coup, les expressions de Laura sont transférées sur la marionnette directement et les gens se font à ça. On l'oublie et en même temps, elle existe, elle est indispensable. On t'oublie, mais comment on peut t'oublier? Tu es si belle. Oui. Non, mais c'est hyper original. On m'oublie vraiment. Ouais. Ouais. Ah ouais, je suis dans le noir. Ouais. Pardon. On m'oublie vraiment. Ouais. Mais vous l'avez déjà joué sur scène?
Oui, oui. De nombreuses fois ou... Quatre fois. Ouais. Quatre fois, des sorties de résidence. Ouais. D'accord. On a quelques dates. Voilà, et... Alors, toi, Laura, tu as pris des cours de théâtre relativement jeune, non ou... Bah, des toutes petites. De danse et de musique, ouais, à Barcelone. Tu es née à Barcelone, tu es donc d'origine espagnole. À Barcelone, exactement. Je suis venue à Paris il y a 14 ans. D'accord. Maintenant. Alors, tu as passé une licence en communication audiovisuelle. Exactement. À Barcelone ou à Paris? Oui, à Barcelone. À Barcelone. Tu voulais faire quoi au départ alors? Ben en fait, je voulais faire du théâtre depuis toute petite et c'est mes parents qui m'ont dit oui, comme d'habitude, quoi. Oui, oui. Faut un diplôme. Tu vas à l'université et après, voilà. Voilà, tu te retrouves donc à Paris, c'est ouais, ça exactement, hein. 2008. Et tu te retrouves à l'école internationale de théâtre Jacques Lecoq, c'est exactement. Ça exactement. Toi aussi, d'ailleurs. C'est là où on s'est rencontrés. C'est là où vous êtes rencontrés. Exactement. Vous prenez des cours, très bien. Et tu es cofondatrice, pardon, de la compagnie 38 CIT. C'est quoi exactement. Ça existe encore? C'est une compagnie, non, elle n'existe plus. C'est très une compagnie bien. Qu'on a fait avec la promotion, avec Georges aussi. Oui. Toute la promotion était 38 élèves oui. De la promotion 2008-2010 de Jacques Lecoq. C'est pour ça que ça s'appelle 38. Exactement. Très bien. Et tu fondes alors, avec Georges, vous avez fondé une compagnie ouais. Hein, qui s'appelle Ito Ita. Ouais. Voilà. C'est elle qui produit. Vous êtes producteur exactement. De cette pièce oui. Également ou... Exactement. Très bien. Alors, la grande fabrique, c'est quoi ça? De mots nominés oui. Deux fois au Petit Molière, tu étais mm-hmm. Dedans? On était dedans, ouais. C'était ouais. Notre premier spectacle. Ah, c'était votre premier spectacle de la compagnie Twitter. Ouais, vous étiez nominé, mais vous n'avez pas gagné. On n'a pas gagné. C'est déjà pas mal d'être nominé. Hein. Oui, merci de le souligner. Pardon. Ouais. Oui, mais je me permets de le souligner. Tu fais bien. Alors, il y a un spectacle qui s'appelait Fracasse. C'est quoi ce spectacle? Oui. Fracasse, c'est un spectacle écrit aussi par Nicolas Turon, le même auteur oui. Que Mademoiselle Gazelle. Oui. Voilà, qui parle aussi encore sous l'enfance. Et ça fait 5 ans qu'on le tourne par toute la France. Ok. Et toi, Georges, tu commences seul sur scène, dans les cafés-théâtres, c'est ça, de Lyon. Tu es ouais, lyonnais. Ça fait très, alors, qu'est-ce très que longtemps. Tu faisais? Oui, mais tu l'as fait quand même. Oui, oui, bien sûr. Tu étais barbu à l'époque ou pas? Un petit peu, mais pas trop, non. Tu avais mué déjà ou pas? Non, même encore, je n'ai pas tout à fait. Tu as une voix assez aiguë. Tu n'as pas encore mué. Non, non, j'avais 20 ans. En d'accord. Vrai, j'avais 20 ans. Et qu'est-ce que tu faisais? C'est du stand-up ou... C'était du stand-up. Ouais, j'écrivais mes sketchs, je les essayais un petit peu. Après, tu arrives à Paris, tu fais, vous faites la fameuse voilà, école. Je fais une école à Lyon, ensuite à Paris, on se rencontre. Très bien, et tout va bien. Voilà. Alors, tu intègres aussi la compagnie, on ne va pas se mentir. C'est quoi cette compagnie? Bah, intégrer, oui. J'ai joué avec eux. J'ai joué avec eux un spectacle qui s'appelle Beaucoup de bruit pour rien. C'était un Shakespeare, oui. Mis en scène par Salomé Villiers et Pierre Elie. Oui. La tournée s'est terminée là, il y a quelques mois. D'accord. Tristement, malheureusement. On aurait voulu continuer à jouer à cette pièce. Oui. Mais c'était une très belle expérience. Bon, ok. C'est pas mal. Beau parcours déjà. Hein bah oui. Voilà. Alors, on va regarder des images quand même de Mademoiselle Gazelle. Oui. C'est le studio Héberto. Hein. C'est ça. Oui. À ne pas confondre avec le théâtre Héberto. Exactement. Exactement. Voilà. Exactement. Allez. Image. Toutes les demandes et d'accueillir ses nouveaux clients du mieux qu'elle le peut, mais dans votre cas, il s'agit d'enfants tout de même, et même si ce sont des agents spécialisés, eh bien ils ne peuvent pas tout faire. Attendez, il s'agit de Mademoiselle. C'est un excellent élément au comportement exemplaire très bien noté par nos clients. Elle peut à peu près tout faire dans une tranche d'âge comprise entre 7 et 10 ans. Gazelle. Je veux savoir d'où je viens, si j'ai un parent à moi. Vous savez que vous ne pouvez pas poser ces questions, mademoiselle, et que je ne suis pas habilité à vous répondre. Des clients louent mon service pour une semaine, une heure ou une journée. Mon travail consiste à vous préparer au mieux à chaque mission pour que vous correspondiez aux désirs du client. M'attacher à vous ne fait pas partie de ma fonction. Tous ces gazelles, des fois... J'ai l'impression que tout est compté dans notre vie. Et je veux dire compté pour de vrai. Par exemple, le nombre de fois où l'on a le droit de jouer à cache-cache, ou de se cacher derrière une porte pour faire peur à quelqu'un, ou pour applaudir, tu sais, on aurait le droit de battre des mains 10 000 fois, et après, plus jamais. Tu comprends?
Bravo. Mademoiselle Gazal, avec Laura et Georges. Au studio Emerto, c'est ça, hein? C'est Emerto. Et en Avignon. Et à Avignon. Oui, au théâtre de la Luna à 10h. Ah, 10h du mat? Oui. 10h du matin. Ah, c'est hyper tôt. C'est l'horaire idéal pour les enfants, il fait frais. Pour les acteurs aussi, non? Et pour les acteurs aussi. Un peu moins. Un peu moins, d'accord. Eh bien, je vous rappelle que vous êtes sur IDF1. Nous allons regarder quelques pubs et on se retrouve tout de suite après avec la divine Nathalie Boileau, qu'on applaudit encore, Nathalie Boileau, qui va arriver après la pub. Voici donc les pubs.